السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط اللي غادي نشوفوا فيه الدرس الثالث ديال تانية إعدادي أبيك سيمتري أكسيال. وفي هاد لابارتي 1 غادي نشوفوا سيمتريك دان بوان. ألوغ سيمتريك أكسيال هو التماثل المحوري، يعني الناس اللي كيقراو بالعربية التماثل المحوري. هذه الفقرة غنشوفو مماثلة نقطة بالنسبة لمستقيم. ألوغ تبعوا معايا، غنشوفو لا ديفينيسيون وغادي نشوفو لابليكاسيون في جيوجيبرا إن شاء الله. إذن على بركة الله. سيمتريك دان بوان. ألوغ ديفينيسيون، لو سيمتريك دان بوان أ par rapport à une symétrie axiale d'axe D et le point A' tel que D soit la médiatrice du segment A A'. Ça veut dire si on a un segment A A' et D le médiatrice de ce segment, alors on peut dire que A' symétrique de A par rapport à D. Ou bien A, le symétrique de A' par rapport à D. Alors, par exemple, le symétrique du point A par rapport à la droite D est le point A'. Alors, on a ici la droite D et c'est A. Alors, le symétrique de A par rapport à D, c'est A'. Alors, D, c'est le médiatrice de segment du segment A A'. On rappelle la définition de la médiatrice. Alors, la médiatrice d'un segment, c'est une quoi? C'est une droite qui passe par le milieu de A A' et perpendiculaire à son support. Alors, ça, c'est la définition de la médiatrice. Très bien. Alors, ça, c'est la définition de le symétrique d'un point. Alors, le symétrique d'un point, ça veut dire, on peut dire que A' symétrique de A par rapport à D, lorsque D, médiatrice de segment, de ses extrémités, c'est A et A'. On peut remarquer ici s'il y a un point appartient à l'axe de symétrie. Alors, remarque, si un point M appartient à la droite D, ça veut dire à l'axe de symétrie, alors ce point M est le symétrique de lui-même par rapport à la droite D. Ça veut dire, si on peut dire, si on peut faire comme ça, alors par exemple le point B, alors le symétrique de B par rapport à D, c'est le point B, c'est lui-même. Ça veut dire si, ou bien si on fait ici M, alors le symétrique de M par rapport à D, c'est M. Alors le symétrique de M, c'est M. Très bien. Alors ça, c'est la définition de la symétrie, le symétrique d'un point par rapport à un axe de symétrie, par rapport ou bien par une symétrie de par une symétrie axiale. Très bien. Alors, on passe à l'application en GeoGebra. Alors, ici, alors, premièrement, on prend une droite. Alors, ça, c'est la droite. Alors, une droite, par exemple, ici. Alors, ça, c'est la droite. Ça, c'est une droite. Alors, on prend un point. Alors, un point, on peut nommer C ou bien A ou bien... Alors, ça, c'est un point. Alors, on peut déplacer ici ou bien ici. Alors, le symétrie de C par rapport à D, si on peut dire ici, c'est D. Alors, la symétrie... c'est comme ça, symétrie axiale. Alors, on a ici symétrie axiale, symétrie centrale,
Allons prendre la symétrie axiale. Alors, la symétrie axiale par rapport à ce droite. Alors, on peut nommer D. Alors, la symétrie de C, c'est C'. Alors, regardez ici. Ça, c'est. Si on prend un segment, alors ça, c'est. Alors, la droite D, on peut nommer ici. D. Alors entre parenthèses, oui. Alors ça c'est D. Alors la droite D. Alors D c'est le médiatrice de ce segment. C'est prime. Alors on peut dire que c'est prime symétrique de C par rapport à D. On peut dire C' symétrique de C par rapport à D. Par rapport à D. Alors, on peut dire que C' symétrique de D. Alors, ça c'est. Alors, symétrique de C par rapport à D. Ça c'est plus facile. Alors, ça, il y a une autre méthode. Alors, on peut faire une autre méthode. Comment trouver C'? Alors, on utilise les cercles. Alors, par exemple, alors on prend une droite. Alors, ça, c'est l'axe de symétrie. Alors, ça, c'est l'axe de symétrie, pardon. Alors, on prend quoi? On prend un point. Alors, ça, c'est le point. Alors, le point F. Bien B ou bien C, etc. Alors, comment construire le symétrique de F par rapport à la droite D' ou bien delta? Alors, par exemple, alors D'. Alors, ça c'est D'. Très bien. Alors, comment le faire? Alors, regardez. Alors, on prend un cercle. Alors, on construit un cercle d'un centre F qui passe ou bien qui coupe la droite D' par deux points. Alors, comme ça. Alors, on peut faire comme ça. Après, on prend le même quoi? Le même rayon. Ça veut dire on construit un autre cercle qui passe par les deux points. C'est-à-dire, on a le point. Alors, un autre cercle qui passe par. Alors, le même rayon. Et un autre cercle qui passe par ce point de même rayon. Très bien. Alors, le symétrique de F. C'est F'. C'est l'intersection. Alors ça, c'est F'. Ça, c'est G'. G ou bien. Alors maintenant, on vérifie. Alors ça, c'est G. Alors on peut vérifier ce que ça, c'est vrai ou non. Alors on utilise quoi? La symétrie axiale. Alors prenons. Alors, la symétrique de par rapport à cette droite, c'est F'. Très bien. Alors, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est. On peut faire comme ça. Alors, ça, c'est. La symétrique de F, c'est F'. Ça, c'est pour
le programme GeoGebra. Alors, on peut dire que F prime ici. Peut dire, on dit F prime symétrique de F par rapport à D prime, par rapport à D prime. Alors ça c'est, peut dire F prime symétrique de F par rapport à D prime. Alors, l'autre vidéo, Inch'Allah, radin choufou comment construire avec le compas. Alors, au revoir. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.